monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un vlog. Aujourd'hui on est le vendredi 12 octobre et je pars ce soir en Allemagne avec mon lycée. Là je suis en train de finir ma valise et mon sac, en sachant que mon sac est constitué principalement de nourriture. Mon sac est, comme je vous dis, constitué uniquement de nourriture. Hein, voilà. Donc si vous voulez savoir, je suis extrêmement rouge là parce que je me suis fait épiler les sourcils aujourd'hui et que je crois que ma peau fait une réaction, ou je sais pas, elle est peut-être brûlée, j'en sais rien, mais du coup je suis rouge et ça part pas. Je m'excuse d'avance si la vidéo est floue à des moments ou quoi, parce que clairement ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé cette caméra que je sais même plus l'utiliser. Ça va être super cool cette semaine, on part chez des correspondants. Donc moi qui ne parle pas un mot d'allemand, c'est parfait. Non, en vrai je pense que ça va être vraiment cool. Donc je vous laisse, il faut que je finisse de préparer tout ça et que j'aille manger. Et je vous retrouve après. C'est parti pour l'Allemagne, 12 heures de bus. Oui Victoria, ça va Victoria? 12 heures de bus aller, 12 heures de bus retour, 7 jours en Allemagne, beaucoup trop de choses à faire. Ça va être génial. Libéré, libéré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, j'ai décidé que je m'en vais. J'ai trouvé tous les villages et j'ai envie d'y aller plutôt ce film-là. Oh, hey Margot. Margot, on est à la douane suisse. Margot, 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 y'a quoi? Y'a pas de wifi. J'ai eu un semblant de froid. On en pense quoi des toilettes suisses? On en pense pas. C'est pas beau. Ça pue. Ça pue. Je crois que ça pue aussi. Et c'est sale aussi. Ouais, c'est dégueulasse, franchement. Et mon sourcil est toujours rouge au cas où. Le grand étude. Attends, c'est trop bien. Moi, je suis trop légère pour moi-même en fait. Il est 22h43, la Suisse c'est du plus. Incroyable. T'es heureuse toi? Oui. À Rennes numéro 2. Yes. Les minuit 37. On a fumé que très peu, voire pas du tout. Carrément pas d'ailleurs. J'ai pas pris mes chaussures. Ça c'est ouais, Mathieu c'est bon, le DJ. Hein. Et ça c'est Léo le moche. Et actuellement 2h20 du matin. On est un peu fatigué. On arrive à 8h et on n'a toujours pas dormi. On arrive les gars, c'est peut-être la dernière fois que vous allez voir Margot en deux jours. Les gars, donc on est arrivé ce matin à genre 8h. Et du coup il y a ma corresse qui est venue me chercher et tout. Et on allait faire des courses. Autant vous dire qu'au supermarché il me parlait, je comprenais à rien. C'était en mode qu'est-ce que tu veux pour déjeuner et tout. J'étais en mode on a déjeuné ce matin. Mais là je suis tellement fatiguée parce qu'en tout j'ai dû dormir 25 minutes les yeux ouverts. Du coup là je vais aller me reposer un petit peu parce que clairement je tiens plus debout. Et cet après-midi on va aller en ville avec ma corresse, une de ses amies, qui a aussi une française, du coup ça va être cool. Et puis voilà pour le programme, je crois, parce qu'en vrai, bah du coup je ne comprends rien, et du coup je sais pas exactement ce qu'on va faire, mais... On est dans un centre, dans un sorte de guérilla Lafayette. Il est totalement 14h52, et j'ai l'impression qu'il est... Il est... Ouais, j'en peux plus. J'ai l'impression que la journée elle est interminable. Bah en fait on n'a pas dormi depuis hier, 7h du mat. Ouais c'est ça. Donc ça pisse, sachant qu'on a dormi quelques heures cette nuit. Non, même pas 20 minutes. J'ai dormi une heure ouais cette nuit. Alors moi je suis crevée les gars, vraiment. C'est l'heure de rentrer au Street Food Festival. Il y a de la bouffe donc ça va forcément bien. Voilà, c'est exactement le bon raisonnement. Margot, t'es heureuse? Ouais. Actuellement, on est lundi, il est 10h22 du matin. C'est l'heure parfaite pour manger des hamburgers. Vous êtes totalement en contre-jour, c'est génial. C'est passé, c'est que là, on est arrivé à l'école.
ils nous ont fait faire un tour, on a eu des petits bracelets. Appétillante. Et en gros, là, on s'est rendu compte que c'était déjà l'heure de manger. La pause. Non, mais c'est tout le temps l'heure de manger ici. En fait. Non, ouais, c'est vers 18h. On a commencé à regarder un film. Mayan, on peut plus. Avant 22h. Où est l'idiot? Il est là. Je me sens vraiment drôle. C'est le moment de faire la photo de groupe. Maya, on va faire quoi? On vient de me dire qu'il y a des abeilles. Alors si vous avez vu la vidéo où on est toutes les trois, elle dit qu'elle a peur des abeilles. Je vais mourir. Bah tout fragile. Moi je suis allergique. Ça peut pas. Je pensais que c'était dans un arbre. Donc c'est parti, go vlog abeille en fait. Il n'a pas besoin de la fumer pour moi. Il ne faut pas. Vas-y, genre pour leur faire une petite. Vous n'ouvrez pas la bouche. Vous n'avez pas besoin, vous. On avait une fois. Chloé. T'es heureuse. Bazar dans sa rue. C'est clairement ma phobie. Je suis allergique, c'est-à-dire que si je me fais piquer, je meurs. On est heureuse là. Oui. Vu l'Allemagne. Oui. En bas, je vois pas là. Vas-y, bah, moi je vois. Viens là, c'est là. Attention. On va faire un jeu de piste. En fait, on a un rallye photo à faire et ça y est, ça fait 3 minutes, on galère déjà. Les gars. Alors, je tiens juste à dire, ils sont tous là-bas. Bah, je crois que c'est là-bas. On est. Non, mais ils sont genre. Ils viennent comme ça. Et en fait, on est vraiment en marge de la société. Genre, ah, il a trouvé quelqu'un. Ok, les gars, donc je vous retrouve que maintenant. Il est genre 11h. En fait, on a fait vraiment une longue journée et j'ai pas tout filmé parce que bah, je voulais aussi en profiter et que c'est vraiment saoulant de devoir sortir la caméra H24. Mais du coup, on a fait le rallye dans la ville, ça je vous en ai parlé. Et après, on est rentré à la maison et on a traîné avec ma Corresse et sa pote et une autre française. Et après, on est allé à la patinoire. Et alors là, c'était tellement bien. Mais j'ai clairement pas amené ma caméra parce que je me suis dit que pour la casser, ce serait pas la peine. Mais franchement, c'était super super drôle. Et en plus, j'ai croisé une abonnée. Alors là, c'était juste un truc de malade. Parce que clairement, on croisait une abonnée en Allemagne dans une patinoire. Un truc de fou quoi, mais non, franchement je suis super super contente, j'ai passé une tellement bonne journée. Demain on va visiter BMW et une brasserie. BM, j'aurais absolument pas du tout le droit de filmer, ni de prendre de photos, ni quoi que ce soit, même pas de sortir mon téléphone. Mais en tout cas, je vous filmerai le plus que je peux. J'espère pour l'instant que le vlog vous plaît et à demain. Oui. Non mais filme pas, il est avant 8h. Mais où? On vient en Inde ou en Australie? On vient en Inde ou en Australie? En Chine. En Chine, ok, pas de soucis. BMW. On n'est pas chez BMW, nous. On était où? Eh ben, on était chez BM. Ouais. Regardez. Je peux parler un peu plus fort parce qu'ils t'entendent en bas. Et je parle pas, donc pour l'instant, t'es toi. Et pour l'instant, c'est l'enjeu. C'est l'heure du repas dans le bus. On adore. Voilà, je mange que du pain en ce moment. Et après, ils me nourrissent que de pain. Après, c'est l'heure de la bière. Des minutes. On va aller visiter une brasserie avec une petite dégustation. Exactement, j'allais te le dire. Et sinon, ce soir, c'est le match France-Allemagne. Du coup, drapeau de la France, mais je vais peut-être pas le sortir. Coucou! Coucou, les gars! N'Golo, N'Golo, Kanté! Alors pas s'il te plaît. Chloé, on kiffe les bretzels. C'est bien gras, c'est bien salé. Yo, c'est le soleil ce matin. Il n'y a pas de temple ici. Je comprends pas. Voilà là, c'est dans Black Panther ça, Camille. C'est Margot. Hein. Arrête, on dirait les profs qui arrêtent pas de nous confondre avec elle. Bref, bisous Camille. Je sais que tu verras cette vidéo. Non, arrêtez, j'aime pas quand les gens, quand je suis derrière eux et que genre je m'incruste avec eux, ils se resserrent, genre là ils sont comme as, je peux pas me laisser passer. Bon, on va aller visiter un temple. Thank you.
le statut de Mama. Moi je trouve ça apaisant, en fait, j'ai pas beaucoup de bruit. Bah oui, mais ça s'appelle le Valhalla. On va aller aujourd'hui à Munich, donc toute la journée, on est grave loin, je crois on est à 2 heures de bus, un truc comme ça. Mais du coup on va quand même à Munich et on va visiter la ville toute la journée aujourd'hui et tout ça, donc ça va être vraiment vraiment cool. Comme d'habitude je vais tout vlogger au maximum comme je peux, j'espère que pour l'instant le vlog vous plaît. Et bah c'est parti. On est où? On est à un musée, et attention il y a Mélanie qui parle. On en pense quoi du musée? C'était sympathique, c'était sympatoche. C'est moi la vlogueuse professionnelle. Ce matin on a fait un petit musée, c'était un tapis qu'on a observé pendant une heure. Non, en soi c'était pas nul, enfin le musée il y avait des trucs drôles genre... Il y avait des trucs sympas mais on a dû observer un tapis pendant une demi-heure quoi. Ouais mais le tapis était stylé. Et là on va dans Munich. On est à Munich. Oui on est à Munich. On va pas dans Munich, on est dans Munich. Un truc à dire? Bonjour à tous les fans. Ma peste est là, abonnez-vous à moi. C'est la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. Attends, reste le moment. Allez les bleus, allez. C'est la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. Attends, reste le moment. Allez les bleus, allez. Bon les gars. Salut. Vendredi après-midi. Ouais, on part demain. On part demain matin. Ce matin, on a passé la matinée à rien faire en cours. En gros, on devait faire nos comptes rendus et tout. Et genre, moi, je suis partie une heure dans les classes. Ouais, moi, je suis allée en cours français. Et cet après-midi, on est dans un zoo. Ouais. Voilà. On va au zoo. Après, on va aller faire du shopping. J'ai fait pas mal de jolies photos, dont Maya qui se pète la gueule. J'ai essayé de monter sur un truc pour faire des tractions et je suis tombée. C'était vachement drôle. Ah, c'était... Bon les amis, j'ai pas du tout filmé au zoo, juste parce que je supporte vraiment pas de voir des animaux en cage. Donc la prochaine scène, c'est quand on rentre en France. Bah, on est sur le chemin du retour, c'est l'heure de la France. Pour l'instant... Là pour l'instant on est en Suisse. Hein. Voilà, oui on est en Suisse totalement, mais je suis toujours en contre-jour. Et c'est l'heure de la pause pipi. Maya, un mot à dire à tes fans? Me dormir. Voilà, ça c'est le vrai visage de Maya. Et ça, c'est Iliana, un truc à dire. Non. La fatigue se fait ressentir. À la très clairement, ça fait 6 jours que je dors pratiquement pas. Je me sèche les mains. Maya! Maya's life! Bah, elle est où, Maya? Yes. C'est Iti. C'est Clémentine. Yes, vidéo peut. On voit pas, ok. Léna, un truc à dire? Oh non. Nelson? D'accord. Ouais, j'ai pris 2 paquets de bonbons, 9 euros, j'ai les boules. Nelson, un truc à dire? C'est genre, c'est quoi? C'est vraiment, c'est juste dégueulasse, genre, il y a du sang. Un truc à dire? D'accord. Ouais, on est là, je suis en train de raconter mon petit film que je suis en train de regarder dans ma petite série. Et il a pas l'air bien, son petit film. Chou-fleur, quelque chose à dire? Ah non, rien à dire, c'est bon. Robin, tout est parfait pour Robinet, comme d'habitude. Faire une dédicace, machin. J'ai l'impression que ça va coûter un peu cher là. Ouais, bienvenue en Suisse. Aurélia! On dirait, elle vient de sortir de son lit. Quoi? T'as des dédicaces à faire? Non. Ok. Non, me fais pas, bah, des dédicaces à faire? Non, tu sais, ma famille, non, j'ai compris. Tu sais, les vieux maïs. Oui, allô? Maya! Maya, dis bonjour à ta fanbase. Il nous reste combien de temps? Il est 13h30, on arrive dans 7 à 9h, c'est un peu long. Hein. On commence à souffrir. Ça sent les nuggets. Ouais, non, mais... ouais. Yo la streetass, Maya. J'ai fait une de ces siestes, les gars. Je fais un bus tour si vous avez des dédicaces à faire. Là, il y a des petites toilettes. Ouh, qui sont ouvertes en plus. C'est beau.
C'est magnifique. Maya, tu pourras mettre le plan des toilettes que je viens de filmer dans ton vlog. Okay. Fais voir ma tête, fais voir ma tête. Je ressemble à rien. Tu me juges ? Iliana, elle part tout droit de LA. Non mais meuf, tu sais pas quel pied mettre devant. Non, je vais courir en bas de... En mode alerte à Malibu. Vlogueuse de l'extrême. Voilà, ça c'est la meuf qui tient cette chaîne. Ecco. Quand je vous dis qu'on a craqué les gars, si tu es là, on en peut plus hein. Quand je dis qu'on en peut plus, c'est... Ils en peuvent plus. Allez, venez tous. C'est mal passé leur tête hein. À mon avis, ils ont gagné pas un bon souvenir leur semaine hein. Semble de la misère, serai-moi pénible au soleil.